Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ladder. On va tester le nouveau chevalier évolutif, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de le tester. Donc du coup on va tester ça en ladder, on va rush en plus le champion suprême. Et du coup on part directement dans les games. On part directement dans la première game de cette vidéo, donc je me suis mis à une game du champion suprême pour rush un peu après. Donc on va partir en sapeur split ici, comme d'habitude, il part en gobelin lance, on va mettre les nôtres. Pour aller gérer ça, il a une bûche aussi, ça peut être du miroir. On va partir en mineur ici pour aller tanker le gobelin. On prépare l'archer magique s'il met un chevalier. Ok, on va pas le mettre ici. C'est un peu trop agressif de commencer comme ça. On va mettre ça ici vu qu'il va mettre ses sapeurs peut-être. Ok, on va tornade du coup sur la tour du roi pour aller activer la tour. Ok, la tour boom qui va pas empêcher l'activation. Donc c'est parfait pour nous, on commence pas si mal. Donc il a l'air de jouer le même deck que nous. On va bûcher ici les gobelins lance. Donc on va mettre les sapeurs split dès qu'on est à 10 comme d'habitude. Il va peut-être partir en archer magique dans le fond en vrai. Ok non, il part en bûche. On va mettre ça ici vu qu'il a plus sa bûche. Tornade peut-être. Ok non, il joue des bats. Ça fait connecter. On va partir en mineur ici. On va tenter un archer magique ce coup-ci. Vu qu'il a pas l'air de s'y attendre. Ok, il a essayé de projeter en plus. Du coup là, il a plus d'élixir. On va tornade en plus pour aller gérer les gobelins. Ok, j'aurais peut-être dû reculer le chevalier avec. C'est pas très grave. On va gobelin ici pour aller gérer les deux. Il part en bats, mais je pense que la tour va gérer ici. Ok, ça va gérer les bats, on va prendre qu'un seul coup, donc c'est ok. J'ai hâte de voir ce que le chevalier évolutif va donner sur le terrain. Lui aussi l'aura du coup pour le contrer. Et pour l'instant, on va attendre d'être à 10, on va rien faire. Ok, il fait rien, on va partir en sapeur ici, on va enchaîner avec le mineur, comme ça on va tanker un sapeur vu qu'il va souvent mettre sa bûche. Ok, il part en bûche, mais du coup, le sapeur qui va être tanké par le mineur, et ça va mettre une connexion, donc c'est pas trop mal. Il va souvent pré-shot, ok, il part en tour bombe pour aller pré-shot l'archer magique. Donc on va mettre la tour bombe tranquillement pour aller gérer ce chevalier. Donc je pense pas qu'il va prendre des dégâts vu qu'il est sous bouclier à mon avis là. Ok, il part en poison, on va voir s'il rajoute. Ok, il part en mineur. On va mettre ça ici, comme ça, ça va gérer le chevalier et le mineur en plus. On va aller bûcher quand même le chevalier vu que là, j'ai un peu peur qu'il soit... Enfin, qu'il meure pas par les tours. Sûrement les sapeurs, non, ok, il part en chevalier. On va mettre la tour bombe ici pour aller gérer ça. On va mettre les nôtres ici vu qu'il a plus sa bûche. Il part en bat, c'est bien joué. La bombe qui va aller gérer les bats. Donc c'est ok, on aura juste à aller bûcher les spires. Ok, il part en chevalier. On va tenter un archer magique ici, plus chevalier, vu qu'il a plus sa bûche et qu'il peut pas vraiment aller gérer ça. On va mettre super cher à sa tour. Il va mettre sa tour bombe, mais c'est un peu trop tard malheureusement pour lui. Donc à mon avis, il va sûrement repartir en mineur ici. On prépare le nôtre pour aller gérer le sien. Ok, ok, il l'a mis derrière. On va bûcher ici les sapeurs. On va mettre l'archer magique ici, on va tenter un push avec le chevalier évolutif. On va voir ce que ça donne ici. On va mettre les gobelins en plus pour cycler sur le mineur. Ok, j'espère que ça va. Ok, bon, du coup, lui aussi aura le sien. Ok, c'est pas trop mal. Ok, ça tank énormément par contre. Il va devoir rajouter. Ok, il a raté son chevalier et du coup, le sien qui va s'aligner sur la tour pour aller gérer les troupes. Mais du coup, c'est parfait, l'archer magique qui va finir la tour. Mais du coup, on va se retrouver pour découvrir le win rate. Du coup, on atteint la Ligue Champion Suprême avec 92% de win rate. J'ai fait quelques défaites en vrai. Ça aurait pu être mieux, mais c'est pas très grave. On va du coup continuer le rush et on se retrouve directement dans les games. On enchaîne directement contre Wotop, qui est très très bon joueur français que vous connaissez sûrement. Donc on va lui dire bonne chance ici, vu que c'est le début de saison. On va pas égaliser. On va mettre les gobelins ici pour cycler. On va voir ce qu'il joue. Il part en cache pour aller gérer ça, donc il a l'air de jouer son deck recru, enfin pas recru, cochon royaux plutôt. Donc on va voir ce qu'il fait ici, est-ce qu'il part en machine pour aller gérer le chevalier. Ok, il part en machine dans le fond, on va mettre l'archer magique nous aussi dans le fond, même s'il a une boule de feu. On va mettre la pression en même temps. Ok, flèche du coup pour aller gérer les sapeurs, ok. On aura juste à mineur la machine. Ça devrait être ok, on attend qu'elle passe le pont ici. Ok, c'est pas trop mal. Donc faudrait essayer d'avoir la tour du roi activée, ça pourrait aider pas mal pour aller gérer tout ce qui est cochon rayon, etc. Donc on va mettre les gobelins lance au pont ici. On va voir comment il les gère. Ok, il part en mamie sorcière. On va rater un cochon volontairement avec la bûche, comme ça on aura l'opportunité d'activer la tour du roi avec les cochons de la mamie, donc c'est pas trop mal fait. Donc on est pas trop mal ici vu qu'on a réussi à activer la tour et en plus on n'a pas pris trop cher. Il part en cage, on va mettre les sapeurs ici. Vu que la cage a perdu un peu de vie, normalement le sapeur... Enfin, il y a un sapeur qui devrait aller sur la tour quand même. Ok, parfait, il est obligé de gang pour aller gérer le sapeur. On va chevalier ici pour le gobelin, on va cycler la bûche, enfin sur la bûche.
pour les gobelins, on va mettre ici la tour bombe pour aller gérer la machine plus les barbares. Et du coup, il doit plus avoir beaucoup d'élixir. On va mettre le mineur ici. Je sais pas s'il a des apis, des barbares peut-être. Ok, on va gratter énormément. Ok, il a mis sa barbare un peu tard du coup, vu qu'il avait pas assez, je suppose. Mais du coup, on aura juste à mettre l'archer magique pour aller gérer ses barbares. Ça va faire le travail tranquillement ici. Donc, on aura le chevalier évolutif dans la main en plus, donc c'est parfait. On va pas le mettre ici devant l'archer magique vu qu'il a une BDF. Donc ce sera un peu inutile de le gaspiller. On va attendre de voir ce que lui fait pour l'instant. Ok, on va le mettre trop au fond du coup pour aller gérer cette même sorcière. Il prend un cache pour aller gérer l'archer magique. On va cycler un peu dans le fond avec les gobelins. On va mettre les sapeurs du côté opposé pour. Ok, on va mettre la bûche du coup vu qu'il a mis son gang. On va partir en mineur sapeur ici vu qu'il a plus grand chose. Ok, il part en flèche. Du coup là il a vraiment rien. Ok, j'ai un peu raté mes sapeurs malheureusement, du coup il va pouvoir défendre tranquillement, mais le chevalier qui va gérer un peu tout le monde et qui va tanker pour la machine en plus. Ok, c'est parfait, les gobelins du coup qui vont gérer la machine. On va attendre l'addition en... enfin à gauche plutôt. Ok, le chevalier qui reste en vie, ok le chevalier. Ok, ça va taper la tour alors qu'il avait même plus de PV, il va mettre 3 coups, c'est énorme. Et sa tour qui descend à 1400 PV, ok. Le chevalier qui est vraiment pas mauvais ici. On va repartir en sapeur ici, mais par contre... malheureusement, on n'aura pas un chevalier évolutif avant un long moment, donc on va mettre la pression en attendant. Ok, il n'y a pas en machine pour aller gérer les gobelins. On va archer magique ici. Ok, on va chevalier ici au milieu pour attirer un peu tout le monde. Il part en BDF, ça va quand même gérer la machine. On va bûche plus sapeur du côté droit pour aller kite. Les barbares, ok, il part en gang, on va attendre l'aide. Tout le monde ici, il part en cage. Il va sûrement pressurer de l'archer magique, donc on va pas le mettre ici au pont. Ok, il part en bélier, donc on va mettre la tour bombe. Plus les gobelins pour aller gérer un peu tout le monde. On va remettre la pression ici avec les sapeurs en plus. On va aussi rajouter les mineurs ici. Est-ce qu'il part en flèche? Ouais, du coup il part en flèche. Ok, est-ce qu'il a une mamie pour les gobelins ici? Ouais, ok, il part en mamie. Ok, les gobelins qui ont focus la mamie. C'est pas mal, du coup on va mettre le chevalier ici, plus les gobelins. Pour aller terminer tout le monde en fait. On va mettre l'archer magique ici pour aller snipe cette machine. On va repartir en mineur pour aller gratter. Ok, il part en BDF pour aller gérer ça. On va partir en sapeur ici pour aller tanker les gobelins. Est-ce qu'il part en cache pour aller gérer ça? Ok, du coup, il a abandonné. Malheureusement, c'était pas un super match pour lui. Surtout avec le chevalier évolutif qui nous a clairement mis bien dans la game. Mais du coup, bien joué à lui. On passe directement à la prochaine game. On part directement dans la prochaine game contre Sam. Donc, c'est un très très bon joueur allemand lui aussi. Donc, on va partir. Ok, il part en sapeur. On va mettre la tour bombe. Pour aller les gérer, sûrement un mineur du coup. Ok, il part en archer magique du coup, là ça va être du miroir. On va mettre l'archer magique pour aller gérer le sien. On va rajouter le chevalier ici vu qu'il va avoir pas mal de difficultés à défendre je pense. Ok, il part en tour à bombe pour aller défendre. Est-ce qu'il part en chevalier sur l'archer? Ok, il part en chevalier plus gobelin, c'est bien joué de sa part finalement. Donc on va mettre les neutres pour aller gérer ce chevalier. On ira bûche tranquillement les gobelins plus le chevalier du coup. Ok, ça va défendre tranquillement. S'il part en sapeur, on aura la tornade dans tous les cas. Ok, il part pas en sapeur, donc on va attendre nous aussi. Il part en sapeur dans le fond, ok, pourquoi pas. On va attendre de voir s'il part en mineur d'abord. Ok, on va tenter d'activer la tour du roi du coup avec les sapeurs, enfin le sapeur plutôt. Ça va marcher tranquillement, donc c'est pas trop mal. Là aussi, la tour du roi va aider pas mal, je pense. Il part en archer dans le fond, on va mettre nos sapeurs ici, plus mineur pour aller tanker au cas où. Ok, pas de bûche malheureusement. Ok, pas en tornade. Ok, il part quand même en bûche. Malheureusement pour lui, il l'a gaspillé. Du coup, tant mieux pour nous. On va mettre l'archer magique ici pour aller gérer le sien. Plus éventuellement les gobelins. Ok, ça va quand même en gérer un ou deux. Donc c'est pas trop mal. On va mettre la pression encore une fois. Chevalier peut-être. Ouais, il part en chevalier. Du coup, il va cycler lui aussi sur son évolution. On va mettre la tour à bombe pour aller gérer tout le monde. Faudrait qu'on arrive à cycler nous aussi sur notre évolution, donc on va partir en chevalier ici, plus mineur pour aller push et surtout cycler sur le chevalier évolutif. Ok, il part en tour à bombe, est-ce qu'il part en gobelin? Non, il part en archer magique pour aller gérer tout ça, plus gobelin du coup, ok. On va aller bûcher ici tranquillement, c'est gobelin, ça va gratter la tour en plus. On aura l'archer magique pour gérer le sien, on va attendre de voir ce qu'il fait d'abord. Ok, on va mettre la tour à bombe sur tout le monde. Ça fait un peu peur, on va mettre le chevalier évolutif pour aller gérer... cet archer plus tornade vu qu'il va mettre la sienne. Ok, il a tenté de tornade, il va s'en remettre un archer magique ici. On aura les sapeurs, plus les gobelins, plus la bûche pour aller gérer cet archer magique.
Ok, c'est pas trop mal, on a réussi à bien défendre quand même. On va repartir en mineur nous pour aller gratter. Ok, pas en gobelin, on va tenter de faire passer le chevalier avec la tornade. Ouais, bon, c'était un peu nul clairement ici. Est-ce qu'il part en sapeur, je pense. Ok, non, il part en tornade pour activer la tour du roi, c'est bien joué de sa part. Il a cyclé assez vite, on va mettre les sapeurs ici vu qu'il a plus sa bûche. On va tenter un petit pre-shot ici. Ok, complètement raté, mais c'est pas très grave. On va tornade les sapeurs ici, plus la tour à bombe. Pour gratter un peu tout le monde. Sûrement un push ici, peut-être des gobelins. Non, ok, il fait rien du tout. Ok, archer magique, on va partir en mineur ici pour aller lui forcer une défense surtout. Il part en gobelin pour aller défendre, ok. On pourra mettre l'archer magique. On va aller le faire d'ailleurs, il va partir en pression aussi. Ok, on va chevalier ici l'archer. Bûche en plus. Malheureusement, les gobelins étaient peut-être pas la meilleure idée ici. Il repart en gobelin pour aller défendre ici, ok. On va mettre la tour bombe pour aller préparer la défense. On va repartir en mineur, plus sapeur pour lui forcer de l'élixir. Il part en archer magique. Alors là, par contre, on va t'en être plus chevalier ici. Ok, on va bûche. Par contre, allez. Non. Ouf, ok. On a failli prendre deux connexions à rien du tout. On en a pris aucune finalement. J'ai vraiment de la chance. Il part en t'en être pour aller gérer les sapeurs. On va tour à bombe ici, ok, on va pas mettre le chevalier vu qu'il est évolué, on va mettre l'archer magique. Par contre là c'est à notre tour de push avec le chevalier évolutif en plus. Donc on compte sur lui, on va partir en mineur ici. C'est maintenant, ok, pas en chevalier pour push. On va mettre la bûche ici, plus la tour à bombe pour les défendre. Ok, on va t'en aider les gobelins. Le chevalier. Ok, un coup, ok, bah ça va prendre la tour. On va prendre la game là-dessus, ok, bah le chevalier qui a fait le travail pour nous. Mais du coup, bien joué à lui, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc on se retrouve pour la fin de la vidéo, donc on termine la vidéo, top 1 à 2078 d'Elo. Donc ça fait super plaisir, on va pouvoir s'arrêter là. Donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à très bientôt.